Bien sûr, nous voulons tous des lois de qualité. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot qualité? Qu'est-ce que ça signifie qualité? J'explique souvent que la loi, c'est une transmutation par laquelle du discursif devient normatif. C'est-à-dire que ce qu'a souhaité la République, c'est que les lois fussent faites par des parlementaires représentants de la nation, constitués en groupe politique et qui parlent d'un sujet en commission et en séance publique et qui font des amendements. Donc j'ai un projet de loi émanant du gouvernement, une proposition de loi émanant de parlementaires, et ce texte-là, il est soumis au débat. Mais le débat se fait sous forme d'amendements, c'est-à-dire que tous les sénateurs, tous les députés peuvent proposer des amendements. Et je peux avoir l'examen en commission de 50, 100, 200, 300 amendements, idem en séance publique. Et ces amendements, c'est comme des sparadraps, des scotch, vous voyez, c'est-à-dire que je vais ajouter trois lignes, ajouter trois mots, supprimer deux lignes, ajouter trois paragraphes. Donc, ça peut être une technique qui s'apparente au rafistolage permanent pour essayer de tendre à l'expression qui correspond le mieux à la norme que nous voulons édicter. Mais encore faut-il bien penser que nous, c'est qui? Nous, c'est le Parlement. Et que le Parlement n'est pas univoque. C'est pas comme s'il y avait une seule pensée. Il y a toute une série d'idées. Dans le Parlement, le jeu normal du Parlement, ça consiste à améliorer un texte de loi ou à faire qu'il corresponde le mieux possible à l'idée qu'une majorité se fait du bien commun, de l'intérêt général. Mais de nombreux textes de loi sont le fruit d'amendements venant de tous les côtés, y compris de l'opposition, bien sûr. Puis il y a des amendements du Sénat, de l'Assemblée, du Sénat. Donc c'est une écriture collective régie par des règles assez complexes, en quel ordre je vais présenter les amendements, comment vais-je les voter, etc. Vous voyez? Donc la qualité de la loi, une loi n'est pas une sorte de norme sans chair et sans sang. Elle est nourrie du débat. Elle est nourrie de la démocratie. Et elle porte aussi les stigmates des conditions dans lesquelles elle a été faite. Donc ce n'est pas un texte lisse. L'idéal, c'est que ce soit une norme parfaitement claire, etc. Mais notez bien les conditions dans lesquelles on fait la loi, et c'est la République qui a voulu qu'on fasse la loi de cette manière-là.